être un homme vulnérable au simple son d'une voix imposant comme une larme pour répondre à ses abois quand ses mains fondent en armes. Le sol est toujours plus froid. Le soir, elle retient son souffle sous la pression de ses doigts. Quand une belle histoire d'amour se perd dans ses draps si froids, quand au plus fort elle doute, sachant toujours qu'elle reviendra, si ses mains serrent son cou, même juste après leurs ébats, elle pense qu'avec écoute, elle maîtrisera le chaud, le froid, pour tromper la pression et stopper son célibat. C'était son premier je t'aime, sa première fois tu es belle. À peine installée chez elle, il lui a cassé ses ailes. C'est trop tard qu'elle comprendra, jamais il ne l'aimera. De 9h à 18h, c'est ce qui lui tient à cœur. Une parenthèse sans violence, à des collègues de confiance. Quelques mots dans un couloir, pour répondre à leurs questions. Les empreintes sous son foulard sont les clés de sa prison. Tout le monde lui dit de partir, mais bientôt ils seront trois. Que les violences peuvent surgir de choses au mauvais endroit. Sa dernière raison de vivre est cachée dans un endroit où bientôt elle va sortir pour s'endormir dans ses bras. Il ne volera pas sa vie, mais quand appelé par les cris, c'est un ami qui surgit. Tout va bien, elle répondra. Il a l'enfant dans sa main et de l'autre serre le poing. C'est peut-être pour demain, mais cet homme le sait bien. Parfois un regard suffit ou un signe de la main. Un pouce en fermant le poing, un pot noir dans cette main. Il est parti sans rien dire, elle espère qu'il reviendra. Le bourreau sera puni, ce décompte sera pour lui. Dans un profond soupir, elle aurait pu s'endormir, mais la chance est venue lui dire que le meilleur reste à venir. Après 10 ans de sursis, elle pourra se découvrir. Elle verra sa fille grandir. Maintenant, elle peut sourire.